Aujourd'hui, en un claquement de doigts, on peut modifier une pièce avec l'impression 3D. Donc ça, pour moi, c'est une innovation. Nous travaillons pour la performance, pour contribuer aux objectifs de l'entreprise. Sur la logistique, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un métier qui incombe tous les autres métiers. Moi, je me sens libre pour évoluer, m'exprimer quant à mes souhaits professionnels. Et je pense que ce n'est pas forcément le cas partout. On contribue également à la décarbonation du transport. Chez Renault. On est donc un maillon de la chaîne de la nouvelle économie circulaire qui est mise en place par l'usine de Flins. Je rêvais pas d'être manager. Et quand j'ai vu l'offre Renault, je me suis dit pourquoi pas. Quand on croise un véhicule et qu'on voit que le client est dedans, que tout se passe bien. On voit des voitures, on sait qu'on a un client, qu'on doit l'honorer. Donc c'est beaucoup de fierté. Et au final, je reviendrai pas en arrière. C'est forcément une fierté de voir des véhicules électriques rouler avec un moteur cléonné à l'intérieur.